Mamá. Ah, tu as bien fait de venir, hein. De toute façon, j'allais passer à la maison. Ça va bien? Oui, ça va. Mais attends, ton histoire de quoi communiquer, tout ça, Oupo est venu me raconter une longue histoire, j'ai rien compris là-dedans. Oupo même. Celui-là, c'est pas pour rien, c'est jouer la pousse pas. Je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est ton enfant. Hein? Mais c'est à propos du communiqué. Je lui ai dit que vous avez fait le communiqué en français. Oh, les villageois là ne comprennent pas ça. Il faut aussi les faire en langue. Donc, quand c'est débrouillé là-bas. Maintenant, là, dans chaque village, il y a au moins un bachelier. On ne peut pas faire communiquer dans toutes les langues. Entre autres, il faut dire merci à ta femme. Mm. Elle a fait un très grand geste. Elle a offert deux kitas, une bouteille de gin. Je dis bien deux pannes kitas, une bouteille de gin. Mais c'est ça une vraie femme. Non, je vais la remercier. Mais en fait, toi-même, tu vois maintenant, non, la vieille, tu vois que Delta vous aime bien. Elle aime bien ma famille. Qui te parle de Delta? Est-ce que tu as entendu le nom de Delta dans ma bouche? Pardon, j'ai cru entendre ta femme. Oui, là, c'est ta petite femme qui est assise chez moi, là. Qui? Meyaka. Là, Meyaka n'est pas ma femme, hein? Quoi? Non, 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 la vieille, non, 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 vous laissez ça, là. C'est elle qui a fait ce grand geste-là. Meyaka n'est pas ma femme. D'ailleurs, même, elle part au village avec nous pour nous soutenir. Tu ne vas pas faire ça. Ah. Non, tu ne vas pas faire ça. Je t'ai déjà dit que Delta n'est même pas au courant du fait que Meyaka porte une grossesse de moi. Il ne faut pas faire ça, pardon. Oh, reste tranquille. Elle va toujours se comporter comme la camarade de Mika. Oh, tout ça, c'est même pas prudent. C'est même pas la peine d'essayer ça, la vieille. Pardon. Pardon. Faut laisser Miaka là où elle est là. Pardon. Si tu veux, à mon retour du boulot, on va en reparler. Hein? Je te dépose au marché. Non, non. Dépose-moi d'abord chez ta tante d'Aplou. Ok. J'ai laissé Miaka là-bas. Oh, tu vas profiter pour lui dire bonjour. Mika, on s'en va? On va partir? Mais Michel, laisse là-bas prendre son petit déjeuner d'abord avant de partir. Non, 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 ça va pour moi. Merci. Ça va, maman? Ça va. Je prends ma clé et puis on s'en va. Ok. Tu ne manges vraiment pas? Merci. Ça va. Marie-Laure! Marie-Laure! Oui, madame. Viens. Oui. Mamie, elle, c'est Marie-Laure. C'est moi. Marie-Laure. Oui, elle, c'est ma belle-mère. Oui. C'est la maman de monsieur. Si nous ne sommes pas là qu'elle arrive, tu t'occupes très bien d'elle. Oui, tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Oui, ici, là, c'est chez elle. Oui, madame. Rempli. Yeah. Donc, c'est la maman des messieurs, là. Oui, c'est cela. Donc, madame, c'est elle que Léonore dit n'aime pas ton affaire, là. Marie-Laure. Allez à la cuisine.